Alors la fresque du climat, c'est un outil, c'est un atelier collaboratif qui est d'abord ludique, parce qu'on est là aussi pour jouer en découvrant. C'est un jeu sérieux quand même, sur des parties très sérieuses, qui permettent d'ancrer la réalité du dérèglement climatique. Et pour ça, on se fonde donc sur des cartes, il y en a 42 en tout, qui se fondent toutes sur les données qui émanent des rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, qui font ces grandes synthèses comme ça tous les pas de 6 à 7 ans, et qui agrègent le contenu scientifique, qui s'agrège et qui s'accumule comme ça depuis maintenant 30 ans et permettent une prise de conscience sur la réalité du dérèglement. Alors, c'est pas l'unique intérêt de l'outil, et notamment dans le domaine de l'entreprise, puisque cet outil-là, on s'en sert à la fois pour acculturer les collaborateurs et les décideurs à la réalité de ce dérèglement, mais aussi en basculant après sur les impacts pour soi et pour les autres. Et pour ça, derrière, on nourrit une réflexion autour des solutions individuelles et collectives. On a décidé avec le COMEX de finir notre séminaire stratégique par l'exercice de la fresque du climat. Ça consiste en quoi ? C'est simplement en groupe de prendre conscience des impacts du changement climatique pour la planète, mais également pour IDEX et la manière dont on peut voir ces changements climatiques comme une menace pour notre activité ou une source d'opportunité. Pour moi, c'est un exercice essentiel qui est frappant en fait. On est saisi d'un sentiment d'urgence face à l'ampleur et de la situation en fait. Mais donc, il faut vite passer à l'action. C'est un exercice qui est saisissant. Voilà, on prend la mesure de l'ampleur de cette catastrophe. Et puis en même temps, ça permet de réfléchir à ce qu'on peut faire. C'est une vraie prise de conscience. Donc on voit vraiment qu'on a tous des choses individuellement à faire et pour l'entreprise. Donc c'était vraiment un exercice vraiment hyper instructif.